démarre les hostilités tout de suite. Voici Libertine, Mylène Farmer, sauf que Mylène n'est pas Mylène. Mylène Farmer! Libertine, Mylène, époustouflant, et pourtant ce n'est pas Mylène Farmer. Alors attention, est-ce que vous voulez savoir qui est fan de Mylène Farmer? Vous? Bon. Vous, à la maison aussi? Alors attention, voici la réponse. Regardez. Mylène Farmer est... Félicitations. Bonsoir Ariel. Alors, en quelques mots, comment étiez-vous, vous dans la tête en Mylène Farmer? Eh bien écoutez, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a beaucoup de mystère, beaucoup de poésie et une sorte de mélancolie comme ça. Donc, et j'adore cette chanson Libertine, c'est ce que j'aime le plus. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous mettre dans la peau du personnage? Oh, elle est tellement charmante et elle est tellement attirante et je trouve qu'elle bouge bien. Et c'était, j'ai des danseurs formidables, donc c'était que de l'amusement. Que de l'amusement, en tout cas, bravo, parce que l'illusion était parfaite. Ariel Dombal avec un double disque d'or, cet album Extase qui est sorti il y a quelques mois déjà. Et un nouvel album pour bientôt?
Voilà, un nouvel album pour septembre, alors je suis très excitée. On attend avec beaucoup d'impatience, en tout cas, merci d'avoir été notre complice pour ce soir. Et je vous invite... Oh, j'ai une question à vous poser. Vous pourrez me donner le nom de votre nutritionniste en douce après? Je vous remercie beaucoup. Bon, ben ouais, ben écoutez, j'ai le droit, hein, je suis là, j'en profite. Voici une grande vedette encore, qui va chanter maintenant devant vous. Je vous demande de l'accueillir. Restez avec moi, Ariel. Ben oui. Je vous demande de l'accueillir. Sa chanson, c'est « Le lundi au soleil ». Et évidemment, il s'agit de Claude François. Voici Claude François.